Salut YouTube! Toujours, enfin j'ai envie de dire encore, toujours, ça ferait un peu trop long, avec la Khatoun Temulun 2 qui a accédé au trône lors de la dernière VOD dans des conditions absolument dantesques, hein, comme d'habitude, parce que toi aussi, tu es dantesque, dis-le-moi dans les commentaires. On a écrasé une révolte irlando-anglo-allemande, donc on va virer les dirigeants, enfin pas lui, mais l'irlandais on le laisse, mais on va virer les autres. Il a de l'argent lui d'ailleurs, tiens, oui, on va le rançonner. On va virer les Anglish. Pour que ce soit l'Écossais qui prenne le trône. Bon, il va rester duc de Wessex. Ouais. Admettons. Est-ce que je peux lui enlever un autre titre? Ou c'est trop? Non, c'est trop. Ok. Ok. Bon, toi, tu deviens roi. Bravo. Accorder des titres. Bien joué. Et on va te transférer un vassal. Ici. Ah bah attends, on va te transférer. Attends, on va les transférer d'autres trucs en fait. Il y a plein d'autres vassaux à transférer là. C'est mon neveu. Il n'a pas de revendication sur mes terres, logiquement. Ok. Donc là, c'est bon. Ici, c'est réglé. Le royaume d'Écosse n'existe plus? OMG. OMG, on va créer le titre. Oh! Ok, tu es roi d'Écosse en même temps. Comme ça, tu vas aller taper tout le monde ici. Et on va te transférer encore un autre vassal. Là, voilà. Très bien. Il a tout. Si lui m'aime pas, je sais pas ce qu'il lui faut. Bon, dans moins d'un an, ouais, dans un mois, on va savoir quelle est son éducation. Ça pourra nous servir, j'espère que ce sera militaire. C'est quand même le but, puisqu'il est herculéen. Il est curieux. Vraiment? Ouais, mais c'est chiant. T'es Herculé. Bon bah tu seras érudit, ok. On va changer ton tuteur. Ah t'as plus de tuteur, d'accord. Bon bah c'est mon mari qui va l'éduquer. Ok, il est bon en intendance, bon en armée, bon en intrigue et bon en érudition, donc ça va. Il y aura un bon melting pot. Allez, va voir papa. Qu'est-ce qu'on a ici? Le comte Louis. Pour l'argent, je prends. La Canum Nomolun de Romagne. Ah, c'est plus une théocratie? Oh, il y a une révolte là. Ok. Bon, la Norvège ayant éclaté, je propose qu'on perde peut-être pas trop de temps et qu'on envisage assez vite de repasser à l'offensive. Donc, soit on attaque le Wessex, soit le Lapland. Je serais assez chaud pour le Lapland, je vous le cache pas. Genre, on avance au Danemark et tout, ça peut être pas mal. En plus, ils ont que 1000 soldats. Ok, on va attaquer Lapland. Alors, vérification. Est-ce qu'une faction peut faire chier? Oui. Mais ça devrait aller. Bonjour, Lapland. Comment vas-tu? Oula. Vraiment. Mais je vais pas faire un envahissement de royaume pour toi. Tant pis, on va attaquer que pour le duché. Et ce sera quoi? Nordmark, Lusatia, non. Le Schleswig, comme ça on fait le Danemark. Allez, on fait ça. On va faire ça. Allez, guerre déclarée. Bonsoir. Pouet, pouet. T'as appelé un ordre? Bah, moi aussi je peux le faire. Hein. Ah non.
Ah, il faut que je libère. Merde, il faut que je libère le. Comment il s'appelle? L'Irlandais. Ah bah c'est fait. Ah mais j'oublie ce que je fais, c'est terrible. Soin, 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 soin. Pouet, pouet. Pouet, pouet, pouet. Allez, ils ont plus d'armée. On vise la capitale. C'est vrai qu'avec 160 soldats, c'est peu. Et je suis re-enceinte. Ok, bah je propose qu'à partir de maintenant, on arrête d'être enceinte, quoi, globalement. On se calme, quoi. Là, c'est suffisant. J'ai déjà trois gosses. Ça me va. Oh merde, j'ai le cancer! Oh, je vais mourir dans... Et en plus, je suis dans une autre guerre, mais j'ai rien demandé. C'est où ça, Annaba? Ah, mais je suis là. Mais pourquoi je suis là? Ibiza qui attaque en Algérie. Oh là, mais pourquoi j'ai ça, moi? Donc, ok, on est en Éthiopie, donc. Ok. Par contre, faut te convertir. Et oui, merci Paulal. 46e mois, merci énormément. Pour le soutien. Ah, c'était vachement en trop. Mais ouais, mais sauf que je suis Kéblo, quoi. Sauf que là, je vois pas comment je peux la. Ouais, si je peux la transférer éventuellement au duc de Delta. Au duc du Caire. Oh là là, mais on est même. Ah non, c'est pas nous. Ok. On peut pas faire. Une paix blanche? Ah non, c'est on est défenseur. Bon ben alors le problème c'est que mon héritier il va encore être très jeune. Oh. Espérons que le traitement marche. Ok, bon ça marche. Je suis quand même toujours mourante. Hein. Ok, donc dans moins d'un an, je suis morte. Il nous en a parlé la dernière fois pour ce moment. Ok, Shotan. Très bien. Très bien, très bien. Allez, ils ont des alliés là, par contre. Ah, elles sont bien les nouvelles émotes, hein, Chouxi. Ah, je me suis donné là. Là, ça fait très pro. Putain, hein. Mais la durée de vie, quoi. La durée de vie, c'est une dinguerie. J'espère que les gens sur YouTube arrivent à suivre un nouveau dirigeant à chaque vidéo. Un nouveau dirigeant minimum par vidéo. Quelqu'un peut ban Elvixar, s'il vous plaît? Et voilà. Ok. Bon ben. Il a 4 ans. Oh putain, c'est fou. Pas trop demander au milieu du faut pas ceux de Twitch. Oh là là. Ah le cancer hein. Again and again and again. Bon là pour le coup n'y peut rien. C'est pas un assassinat, c'est le cancer quoi. Donc bon. Par contre direct faction quoi. Direct. Il n'y a pas le temps de. Non. Bon alors après j'ai des sœurs, donc je peux les marier. J'ai un frère. J'ai deux sœurs, un frère. Et il y a moi et je suis pas encore fiancé, patati patata. Vas-y, mon père, il va devenir curé.
c'est plus mon tuteur s'il est curé? Si? Bon, oh, il me déteste. Le problème, c'est que je suis obligé de mettre un Khan, hein, plus ou moins, quand même. Attendez, si on prend par rang, est-ce qu'il m'aime bien? Ouais, ouais franchement, il y a pire. Honnêtement, il y a pire. 18. Ok. Ouais, il y a pire, mais il y a quand même bien mieux. Oh là là. Ok, bon. T'es morte enceinte, je rappelle. Ah oui, c'est vrai. Elle est pas assez lisible. Bah, techniquement, elle l'est autant que celle d'avant, c'est exactement les mêmes dimensions, hein, je crois. Mais je comprends. Mais c'est parce que c'est nouveau aussi, c'est pour ça. Voilà, ça se révolte déjà en Angleterre. Celle-là, tu amages la scène du coup. Non, parce que ça, c'est l'émote, c'est pas le logo. Bien joué, Zomaxu. Ok, fais chier. Oh là là, oh là là, oh là là. Je suis obligé de faire une paix blanche ici. Ah, ça me déglingue. Bon, là, je suis obligé de me rendre. Parce que je vais pas. Pff, ils sont 600. Non, je me rends pas. Non, je vais pas me rendre quand même. Par contre, bon, là, paix blanche, tant pis. Est-ce que je peux lever des troupes, là? Deux... Y a pas deux cons, là, par là? Peut-être quelle religion, en fait? Celui contre qui je me bats, c'est qui? Il est quoi? Il est tégriste aussi. Bon, je veux pas appeler mes troupes spéciales du coup. Allez, pour ça qu'on conseille. Un de moins. Mais c'est la cause du rouge, pas la taille. Ouais, mais alors c'était pour un truc tout simple, c'est que vu que c'est en format GIF. Pour l'animation, sinon ça faisait vraiment moche. Il y a une explication. Salut Benuke. Je viens de battre mon record de vieillesse avec un personnage, il est mort à 112 ans. Ah ouais, putain, incroyable. Incroyable. Bon, combien de temps? 5 mois. Ok. Bon bah ça recommence. Ça recommence. On va juste tenter un truc. Putain, ils sont tous. Ouais, non, faut que j'attende le dernier moment parce que je sais pas qui va être le leader, qui va être machin. Donc, fou l'érudit avec de la chance, choper que des bonus. Let's go. Très bon ça. Moi je suis à l'université. Bon, j'ai 4 ans, mais je suis à l'université et je fais full érudition aussi, donc on va voir ce que ça va nous apporter. Si ça nous apporte quelque chose. Alors que les vassaux directs. Je regarde juste des trucs, hein, mais est-ce que là... Ça, c'est un duché aussi? Non.
Oh, la Pologne qui est présente ici, ok. Mais là, c'est pareil, là, enfin. J'essaie de m'accrocher à des bouts de ficelle, hein, mais bon. J'ai pas un malus trop de duché, non, à tout hasard? J'ai pas de royaume à créer non plus. Non. Je ne peux faire aucune alliance. D'accord. D'accord. Le problème, c'est que j'aurais pas le temps de reach les 35 000 soldats. C'est dommage. C'est extrêmement dommage. Jamais test université, ça rajoute quoi à part des bonus de stats? Bah, des bonus de stats. C'est tout. Sauf si, quand t'es adulte, etc., etc., quoi. Allez, on va rencontrer des pères quand même. Sait-on jamais. Et dans un mois, on va voir pour marier, enfin me fiancer, tout ça, tout ça. On va essayer de virer les gros, quoi. Ok. On va voir donc maintenant. Putain, mais même lui, c'était révolté, donc. D'accord. Alors là, par contre, pourquoi là c'est resté dans mes geôles? Alors que ça a changé de dynastie, je comprends pas. Des fois, ils disparaissent tous, d'autres fois, non. Peut-être parce que je suis l'héritier en droite ligne. Je sais pas. Bon, t'as quoi? T'as un garçon, une fille? T'as tout? T'as les deux? Est-ce que certains ont des traits héréditaires ou pas? Mais non, bien sûr que non. Bon, Bernardin. On va arranger un mariage avec... Ah merde, faut que je réhérite mon frère! Merde, quel con! Attends, non, pas elle, l'autre. Elle... En matrie, voilà. Ensuite, lui. Arrange un mariage avec mon autre sœur. En matrie aussi. Ok, mon frère, est-ce que je peux le réhériter? Oui. C'est donc mon nouvel héritier. Ah, ça les a quand même bien calmés. Ah oui, ça a enlevé 180%. Enfin, 180 points. Bon, ça remonte, hein, bien sûr. Parce qu'il y a des sacs à merde. Bien entendu. J'ai mon héritier, là, au pire. Il y a elle qui est dispo. Ah bah, mon héritier, tiens. Va se marier avec. Ah, mais il y a mon père aussi. Pourquoi elle est plus là? Elle est où? Pourquoi il peut pas la marier? Là, je comprends pas. Hein? Mais elle est là! Mais qu'est-ce qu'il fout là? Et pourquoi t'es aussi loin, Micheline? Salut Romy, comment ça va? Ça marche, Benouké. À bientôt. Bon, après, on va avoir des thunes pour des mercenaires au cas où, hein, mais. Ouais, mon père, je l'ai nommé mon chapelain de la cour, là. Le comte, il est trop fort. La Mordovie. Et là, je peux pas y filer mon père. Oh, il y a le roi de France. Oh, il y a le roi de France. Ok. Je vais épouser une de ses filles.
Alors laquelle? Elles sont claquos. Il y a Ogelune, éventuellement, qui est vive, mais c'est tout. Pas simple, hein. Ok. Et eh ben ça démarre. La révolte. C'est qui au final qui gère? C'est les Cuyils d'Aride. Oh là là. Oh là 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 là. Putain, ils sont combien? 58 000? C'est la merde. C'est loose. Mais c'est juste loose en fait. Oh non. Attends. Ok. C'est la Sicile. Oh putain. En plus, ça me coûte une blinde en débarquement. Oh. Bah, c'est loose, hein. Une Garzareg avec des cataphractes, ça peut être pas mal. Sauf que ça me coûte tout mon pognon. Y a pas une autre avec des cataphractes qui sont peut-être un peu moins nombreux, non? Des hoplites, là. Là, on a quoi? La piétaille et des piquets, des archers et des piquets. Ouais, vas-y. C'est loose, mais c'est parfait, tu auras plus de problèmes de vassaux trop nombreux. Oui, c'est sûr. Appelle tes alliés, lesquels? Les membres de ma dynastie, mais bon. Globalement, c'est de l'interne, quoi. Ah non, pas lui. Ouais, enfin, c'est 2000 soldats, quoi. Ça va pas aider de ouf. Hein. Bla 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 bla. Allez. Ok, d'accord. Donc chancelier, intendant et maître espion se sont barrés. Bande de cons. Bah c'est quoi ces 10 dernières minutes? Bah on a fait des mariages en gros pour éviter qu'il y ait trop de révoltés, mais il y en a quand même. Ils sont quand même nombreux. Est-ce qu'il se met à la tête de ses troupes lui? Je pense. Hein. Ah bah pff, mais non, il est en voyage, il va peut-être retourner dans sa capitale du coup. Combien de temps encore pour la lever? 44 jours, ok. Encore dans des émotes? Non, j'ai plus de place. Il y a un coup de moustache différent de celle de Fela. Non. Non plus. Même chose, même réponse. Siège de Coblence perdu. Déjà? Ah! On va faire un double débarquement. En espérant qu'on réussisse à les coincer. Spoiler, on n'y arrivera pas. Putain, ça va être chaud. Pendant ce temps-là, on fait une petite rencontre avec les pairs. Genre, on a que ça à foutre. C'est sûr. Allez, le foot. Le match de foot pendant la guerre. Attends, faut que je vérifie un truc. Du coup, le roi, il est où là? Ok, il est resté dans sa capitale, il s'est pas mis à la tête de ses armées. Lâche, lâche!
On est à moins 8%. Ok, mon frère est un enfant charmeur. Débarquement de Parthenope. Allez, c'est fini, c'est bon. Hop, les pères, c'est fait, le foot, merci. Bim. Ensuite, on débarque à Palerme. Là, ils reçoivent des... Regardez, là, ils ont reçu des renforts... C'est quoi, c'est des Valaques? Dans leur... Ouais, c'est des Valaques, je crois. Allez, il faut qu'on prenne sa capitale et qu'on le capture. Hein. Il est là toujours, oui. Si on le capture, c'est win. Si on le capture pas, on va tenter la paix blanche. Ah mais, pourquoi? Ah si. C'est bugué, il n'y a pas la progression du siège. Et putain, mais pourquoi il n'y a pas la progression du siège en fait? En attendant, on est en train de perdre en Allemagne. Hein. Putain, mais c'est quoi qu'ils me reprennent tout? Oh, c'est le nord de l'Allemagne. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, au pire, j'irai les taper si j'y arrive. Mais c'est pas gagné. Hein. Je pense que le PG veut Rashford et on va voir l'arnaque selon vous. Pourquoi on voudrait Rashford? 12%. Est-ce que la paix blanche se tente? Il manque moins 13. Chut. Alors là, que faire niveau strat? Est-ce que on vient taper au nord? Ou est-ce que on continue la Sicile pour grappiller du territoire? Stratégiquement parlant. Parce que le problème, c'est que le temps qu'on parte au nord... Il y a 3-4 ans. Oh, mais il y a 3-4 ans. Il y a 25 ans, ils voulaient peut-être R9, mais ils m'ont pas l'acheté aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est. Si on veut au nord, c'est. Combien de temps ça nous prendrait? Putain, faut faire tout le tour! Oh. En même temps, vas-y, on va aller au nord. On y va. On assume. On va récupérer les territoires qui sont en train de nous capturer et ils sont en train de se barrer, ces cons. Vraiment? Mais non, mais JPP, en fait. Ah, mais notre corps de guerre, il monte vu qu'on a la capitale de l'autre abruti. Abruti. Je vous rappelle, hein, c'est l'italien, ça veut dire homme respectueux. Moi, JPP, j'ai hâte. Alors, il y en avait une à une époque et personne n'utilisait. Donc, du coup. On l'a enlevé. Non, mais là, logiquement, vous avez des émotes pour l'intégralité des sentiments. Donc. Donc, là, pour le coup, appropriez-vous, pardon, ce que vous voulez, quoi. Oh putain, ils sont 16 000 maintenant. Aïe, aïe, aïe. On est à combien sur la paix blanche? Moins 5, alors peut-être. Ah, ça peut le faire, hein. Ah, y a celle pire chat, The Maxou. Ça compte. Non mais de toute façon, vous n'êtes jamais content. C'est le principe. Et salut Yann, ça va et toi? Ici ça mongolise très fort bien sûr. Donc vous n'êtes jamais content. Il y a 41 émotes. Plus qu'il n'y en a jamais eu. Vous trouvez encore le moyen de dire hey, il manque ça, puis moi je voudrais une photo de ma grand-mère, machin. Et ça va.
Ok, je crois que c'est bon. Yes, la paix blanche, elle passe. Qu'est-ce? Bon alors, certes, vous allez me dire, c'est que paix blanche, d'Arbichon, machin. Oui, pardon, mais je sauvegarde mon trône avant tout. Voilà. Tenez-vous cette conquête européenne. Bah, si on se faisait pas assassiner tous les 5 matins ou qu'on chopait pas un cancer, ça irait bien. Exactement, Elixar. Ça prend le temps, mais tout arrive. Tout arrive. Bon, j'ai quel âge? 6 ans. Comment ça se passe? Mais papa, t'es pas censé être un curé de ouf? Pourquoi c'est ma diplomatie en priorité qui se développe? Est-ce qu'on retourne rencontrer des pères? Pas encore. Bon. Mon rival. Attendez, j'ai un rival que j'avais dans mes dans mon dans ma tôle. Merde. Ah, j'aurais dû l'assassiner. 632 de prouesse. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Secours, Dim. À l'aide. Ah, mais je reçois des audios familiaux là, c'est chiant. C'est Régis ou Red, ton rival? C'est Régis. Que Régis est un con, je vous le rappelle. Bon, l'argent. Ah, tiens, si je cut the balls de quelqu'un, est-ce que. Ah bah je peux pas, je suis un enfant, c'est vrai, je ne peux pas cut les balls. Donc là, c'est plus une théocratie. Ah si, c'est revenu une théocratie, d'accord. Donc lui, apparemment, il s'en fout de pas avoir Rome, ok. Bon, on gagne 80 par mois, très cool. Le coup-coup royal, c'est ça. Non pas la coum-coum mania, pas du tout la même chose. Toi, tu veux te libérer, donc. Ouais, vas-y, je suis sympa. C'est bien parce que tu payes. Un peu lourd en piété, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je pourrais aller faire un pèlerinage, mais pour l'instant, en tant qu'enfant, ça n'est pas possible. On dit accorder une promotion vers un poste d'eunuque. C'est pas fou non plus. C'est clairement pas fou. Alors que là, ça a changé de dirigeant. Donc, hein, c'est pas le roi d'Écosse que j'avais installé. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Il y a des prisonniers un peu pour le coup. Ouais, bah de toute façon, au bout d'un moment, tu sais, j'aurai des pégus où personne va payer pour eux. Donc, eux, ils vont rester. Hein. Et non, il n'y a pas l'émote Pécor, Plouc, je sais pas quoi. Le Khan du Caucase. Il a quel âge? 58 ans? Bon, il va bientôt caner. Il est ivrogne et mélancolique. Profitons de son argent. De toute façon, j'ai des trêves avec à peu près tout le monde, là. Donc, sauf le Khan d'Aquitaine. Oh, ça dépend de la Romagne, ça, maintenant. Ok. Donc l'Aquitaine où il y a la culture occitano-kirghize qui s'est créée. Et parce que pourquoi pas? Spécialité cassoulet et lait de yak. Oui, bah c'est. Et alors? Eunuque et Lénarque, ça se ressemble un peu coïncidence, je ne crois pas. Est-ce que je peux avoir un meilleur ici? Alors un meilleur qu'aurait un. Ouais, elle par exemple. Parce que le duc ici m'en veuille, je m'en fous un peu. Il a 65 piges en plus, il y a bientôt Canex.
Alors, Rodislav, j'apprends la langue slave orientale. Très bien, le russe, quoi. Ici, 50 balles. Et lui, c'est lequel de Hanat? Ah, c'est les Albanais. Je suis sympa. Hein. Quoi? Oh, ça y est. Ah, oh, c'est pas le Kosovo, du coup, ils vont être ici. À côté de Srebrenica. Ah bah, les Albanais ont Srebrenica. Ah mais ça c'est... Non. Ça va mal se passer au bout d'un moment, les gars. Non, repartez. Fuyez. Oui, j'avoue. Le CIF sera atteint. Mon voisin a eu la magnifique idée de faire une soirée sans prévenir les gens du bâtiment. Du coup, il y a du Patrick Sébastien, joyeux anniversaire en fond. Ah merde. Ah, et le problème, c'est pas qu'ils fassent la teuf, c'est qu'ils mettent cette musique nulle, quoi. Unis tous dans le même royaume, une slave de Yuré. De jure, pardon. Qu'est-ce qu'il veut, lui, c'est qui? Bellec le Beau. Pourquoi? Il est Maturidite? Alors, non. Conversion. Adieu, Bellec. C'est drôle. Bon, j'ai quel âge? 8 ans. Bon, à 9 ans, je vais encore avoir un cancer ou je sais pas quoi, là, non, c'est ça? C'est ça le bail? Bah, ça, les blessés. Oh là là, c'est trop triste, vraiment. Tu t'étais révolté juste avant, tu es désormais blessé gravement. Pénalité grave. Oh là là, c'est vraiment la tuile. Hein? Ah ouais, mais là, à l'Andalous, par contre, ça va pas du tout. Ok, faut que j'attaque Valence. Faut que je récupère des trucs parce qu'à l'Andalous, c'est en train de... Oh, ils ont plus que 793 soldats. Attends, dont 1200 mercenaires? What? Comment dire? Bon, faut reprendre des terres en Espagne, les amis. On en est au niveau faction. On va en profiter maintenant, en plus. Ah, 2900, oui, il y avait un bug. Bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'on va prendre? Saragosse? Saragosse, je vais passer une semaine en février, là. Allez, on attaque pour Saragosse. Comme ça, bim, continuité territoriale. On protège Valence, en tout cas cette partie-là. Et on les rechoppera plus tard. Oh, j'avais oublié la musique. Oh, je peux passer en 4 en autorité de la couronne? Ouais, ça m'intéresse, ouais. Laisse ce beau pays tranquille. Mais très bien. Ça va. Ouais, 15 000 soldats, ça devrait suffire. Toc. Ah, le prince d'Odaï a créé la branche cadette Tsaparangide. Tsaparangide, ça part en couille. Enfin, oui, c'est où? C'est en Chine, d'accord. Ok. Alors attends, Souteuil est devenu Dailamo Bédouin. Ouais. Allez, à l'assaut de Saragosse. Ah, il est devenu Afghan, lui. Alors que l'ennemi a des alliés qui le rejoignent, mais ça ne lui augmente pas du tout son nombre de soldats. C'est fou, hein. C'est fou. Il y a une émote pour ça, le Victor. Une leçon de charité. Alors, j'obtiendrai le trait généreux, ou le trait inconstant, ou le trait arrogant.
Plus de diplomatie, mais moins de revenus. Ouais. Et inconstant, ça m'apporterait quoi? Diplomatie et intrigue, mais moins d'intendance. Ouf. Allez, inconstant. Donc ici, Monzon. La duchesse Ongua est enceinte. Et pas de son mari. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il veut, lui? Mon fils, non, papa, qu'est-ce qu'il y a? Rodislav gagne comté de Blekinge et ses vassaux. Comment? Révoquer un titre en tant que régent. Non. Et fais pas le fou en fait. Calme-toi. Non, c'est veto ça. Qu'est-ce que tu nous fais sur ta régence, toi, là, gonfler les rangs? On va promouvoir l'autorité plutôt, papa, si ça te dérange pas. Hein. Je vais pas faire un tour de ton territoire pour voir si tu peux diminuer ton nombre de sujets. Ah, je le ferai après la guerre, je le ferai après la guerre. Mais je peux, sur... enfin, je peux, c'est presque sûr, hein, mais. Pff, non. Ah, si, il y a là, éventuellement. Pff, non, même pas, faudrait que je le refile à Sibir, mais. Vas-y, je vais le faire maintenant. Khanat Kosho, ouais. Mais non, mais même pas. Non, non, c'est juste que j'ai trop. Ah, c'est peut-être là. Hein. Oula! Ah oui! Ah bah oui, d'accord. Non, mais Amdo, là. Qui va devenir roi de Amdo? Lui. Bougie. Sauf s'il y en a un de ma dynastie pas loin. Tiens, Kokenayur. C'est à toi. Et puis tant qu'on y est, je te refile tous les vassaux ici. D'accord, mais en fait, c'est parce qu'ils avancent de ouf en Chine. Quand même une chance sur deux qu'à un moment, le mec crée l'empire du Tibet, mais... Pas grave. Voilà, c'est bon, on n'a plus le malus. Ok. C'est une dinguerie. C'est incroyable en fait. C'est incroyable. Assassiné. La sève est morte maintenant, t'as pas d'héritier. Comment ça? Comment ça, j'ai pas d'héritier? Bien sûr que si, enfin. J'ai un frère. J'ai un frère, j'ai des sœurs qui sont toutes mariées au matrilinéaire en plus, parce qu'ici on est prévoyant. Bon, alors il a 6 ans. Est-ce qu'il va à l'université? Je me rappelle même plus, lui. On sait pas, ouais, on sait plus. C'est... Alors, attendez. Donc, le précédent régnait 5 ans. Celui d'avant régnait 8 ans. Celle d'avant, pardon, régnait 8 ans. Celle d'avant régnait 4 ans. Celle d'avant régnait 7 ans. L'autre, 3 ans. Entre 1002 et 1029, on a eu 1, 2, 3, 4, 5... On en est au 6e dirigeant. Durée de vie moyenne, 4 ans et demi. Enfin, de règne, 4 ans et demi. Ouah, ça rend ouf.
Bah papa, tu restes, hein. Mais là, voilà, bah ça y est, ils me redétestent tous. Oui, c'est ça. Faut battre le record de Jean le Posthume, putain. Oh, Paula Louis. Même pas FK 5 minutes, t'es encore dead. Ah ouais, non, mais c'est incroyable, en fait. On peut dire que les muses de la merde se sont penchées sur notre berceau. Alors après, logiquement, voilà, il y a quand même toujours des trêves. Pendant encore 3 ans. Bon. Ce qui me permet de pouvoir tanker le malus de court règne, un peu. J'ai bien dit un peu. On va aller rencontrer des pairs. Donc on n'aura pas de révolte tout de suite. Je pars un mort, je reviens deux morts. C'est ça. Allez les gars, on est chaud. On espère vivre. Ah ça y est, faction. J'aurais dû fermer ma gueule. Putain. Après, il est con parce qu'il se met dans une faction et il se lance en même temps dans une guerre. Bon, qui va gagner, hein, mais. Voilà! Oh là là. Ok, alors attendez. Je crée le titre d'Algésiras. Je le donne à lui. Oh, mais Ayastan, c'est trop! Je peux pas. Ah ouais, c'est Ayastan est extrêmement vénère. Les arméno-italiens, là, ils sont vénères. Alors que le titre. Je les avais rendus indépendants. Quelqu'un les a reconquis. Oh, les mecs sont tous zaïdites. Ok, c'est bon. J'enlève le malus. Oh, c'est quoi? On va faire des. Tant pis, les royaumes vont ressembler à rien du tout. Mais comme ça, ils se taperont dessus. Ah, bah non, moi je peux pas. Ok. Le but, c'est qu'ils se tapent dessus à un moment, quoi. C'est le calife, lui, non? Bon, bah. Si ça démarque dans 24 mois, j'ai le temps. J'ai le temps de gagner cette guerre ici. Et moi, c'est l'armano-italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? Ah, je l'ai pas là. Je l'ai pas du tout. Ok, ça démarre dans 15 mois. Neuf. Bon, on va gagner. On va gagner ici. Est-ce qu'on va gagner avant le début de la révolte? Oui. Et tant mieux. On a gagné. Ok. Tac, les armées sont dispersées. Bon, la Navarre, il est content. Voilà. Est-ce que tu veux pas te vassaliser du coup, toi? Parce que je pourrais quand même te. Non? Le duché de Saragosse. Qui va devenir duc de Saragosse? C'est elle. Voilà, GG à toi. Bon. Maintenant, on croise les doigts pour que les armées remontent vite. Pour que eux, mécaniquement. Ah bah, puis au pire. Ah bah non, j'ai pas 14 ans, je peux même pas couper des bolts. Par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Putain, 30 en plus par mois.
que tu sais qui tue tous tes dirigeants? Non. Non, non. Mais j'imagine que j'ai une rivalité avec quelqu'un, mais je sais pas où est-ce qu'on voit en fait la rivalité familiale. Donc si vous avez la réponse, ça m'intéresse, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout où on trouve ça. Ah ouais, dur, Bob Dap. Dur, dur. Ok. On rencontre les pairs. Arébolt éclatera, pardon, dans 15 mois. C'est bon. Oh, la réalité familiale ouvre l'arbre dynastique. Alors non. Oh putain, j'ai obtenu le trait force en plus. Prouesse plus 4. Là, il a 30 aussi en prouesse. Son frère avait 33 au max. Bonus de santé. Ok. Bon, YouTube, en tout cas, on va couper la VOD là-dessus, ce nouveau règne. Donc pour l'instant, on est sur une VOD, un dirigeant différent. Est-ce que la prochaine fois, ce sera la même? Je ne sais pas, mais en tout cas, abonne-toi, et comme ça, tu le sauras dans la prochaine VOD. Bisous!